Élection, c'est pas Niaga. Traduction, élection, ce n'est pas la guerre. Un concept bien réfléchi par l'association Foot Attitude, surtout à l'approche de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Vu l'importance et la pertinence de ce sujet, des sportifs ivoiriens ont décidé d'apporter leur soutien à Régis Lemont et ses amis. Vous en saurez davantage dans ce buzz. Ivoiriens, Ivoiriennes, en cette année électorale, combattons tous contre la violence et ensemble, remportons la victoire de la paix pour notre pays. Élection, c'est pas Niaga. Jouons tous contre la violence. Recevons la médaille de la paix en remportant la course contre la violence. Soyons les supporters de la paix en tournant le dos à la violence. Posons un tag à la violence. Élection, c'est pas Niaga. Acceptons de perdre aujourd'hui pour gagner demain. Élection. C'est pas Niaga. Élection, c'est pas Niaga. Ils sont unanimes, ces élections doivent se faire sans heurts. Ces sportifs et champions ivoiriens qui ont participé à la deuxième campagne de Foot Attitude en tant qu'égérie. Même refrain chez les personnalités politiques qui étaient au lancement du concept marketing social. Élection, c'est pas Niaga. Élection ne rime pas avec violence, avec bagarre, avec altercation. Le choix du lexème Niaga, issu de la variété populaire de français en Côte d'Ivoire, qu'est le nouchi, parlé majoritairement par les jeunes et comprise plus ou moins par tous, témoigne de la cible de notre campagne. Régis Lemont et son équipe ont remis des champions ivoiriens en scène pour sensibiliser sur des élections apaisées. Foot Attitude est désormais bien lancée dans la recherche de la paix à travers le sport. Ce mercredi, les équipes qui ont travaillé cette campagne ont présenté le projet Élection c'est pas Niaga à la presse sportive et politique, mais aussi à la communauté sportive, histoire d'apporter une grande contribution à ces élections. Le projet présenté, une phase opérationnelle commence sur le terrain ce samedi par Abobo, en passant par les villes de l'intérieur du pays pour finir à Yopougon. Les sportifs auront-ils une voix qui pèse? En tout cas, la jeunesse ivoirienne choisie comme cible de cette campagne pourra aller voter en ayant les messages de paix de ses idoles en esprit. Un message qui passera sur plusieurs supports. Le concept d'élection sans Niaga qui voit la participation de certaines célébrités de notre football est salutaire. Vu aussi la qualité des personnes qui ont fait les personnalités, qui ont fait les déplacements. J'ai vu des leaders de jeunes, j'ai vu des représentants de candidats. Nous avons simplement passé un message que l'ensemble des engagements qui ont été pris aujourd'hui pour des élections sans Niaga soient traduits dans les faits par des comportements qui vont dans ce sens. Il faut qu'il y ait une cohérence entre nos engagements, nos déclarations et nos comportements. Voici un peu ce que nous souhaitons.